奥下に地域圏開発公社リニューアブルマリンエナジーエキスパートの、ジュリアン・シグラー様に、ご登壇願います。Bonjour, bonjour à tous. Avant tout, merci pour cette invitation de donner à la région Occitanie l'opportunité de présenter ce qui est fait sur son territoire. Très rapidement, peut-être il est important aussi de rappeler qu'il y a des liens très très forts entre l'Occitanie et le Japon. Et aujourd'hui, effectivement, l'éolien flottant est une nouvelle piste, ou du moins un nouveau sujet de collaboration. Et comme je le disais, sur une collaboration qui aujourd'hui existe depuis plusieurs années et sur de nombreux sujets. Donc, comme il a été présenté au tout début, effectivement, je ne vais pas présenter les projets d'éolien en France. Vincent Guénard l'a fait. Mais ici, insister sur le fait qu'aujourd'hui, on rentre vraiment dans une accélération opérationnelle dans l'éolien, que ce soit l'éolien posé ou l'éolien flottant. Et dans tous les cas, l'éolien posé, l'accélération de l'éolien posé aussi profite à l'éolien flottant. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, on a une réelle accélération de tout ce qui est opération. Dans l'éolien en France. Je le rappelle très rapidement également, donc les fermes pilotes qui sont très importantes dans la structuration de la filière en France, puisque c'est à travers ces fermes pilotes qu'on va pouvoir tester différents designs, mais aussi c'est grâce à ces fermes pilotes qu'on va pouvoir tester, comme il vient de l'être expliqué, différents organisation, processus et stratégie industrielle. Et ça, effectivement, c'est primordial, c'est central dans la réussite des projets. Alors, je profite de cette carte également pour positionner la région Occitanie que je vous montre ici avec mon curseur. Et le Je vois parcours. votre présentation, Monsieur Sylar. Voilà. Bon, désolé pour ce contretemps. C'est parfait, Monsieur Sigler. Bon, très bien, merci. Bon, je vais passer sur ces cartes, donc que je pensais avoir présentées. Mais juste, voilà, je m'appuie sur cette carte-là, pas forcément pour représenter les fermes pilotes qui ont été déjà bien présentées, mais pour profiter de cette carte justement pour bien positionner la région Occitanie et pour insister sur le fait que la région Occitanie accueille deux des fermes pilotes, donc à savoir la ferme pilote Éolmed, qui est aujourd'hui est piloté par Kerr et qui utilise un flotteur designé par Ideol, qui a été présenté. Et l'autre ferme pilote qui est pilotée, enfin, qui s'appelle les éoliennes flottantes du golfe du Lion, pilotée par Ocean Winds, avec ici un flotteur designé par Principal Power. Donc effectivement, la région Occitanie est le territoire qui accueille deux fermes pilotes sur quatre sur le territoire français. Et aujourd'hui, ce sont des projets qui sont vraiment centraux dans le développement de la filière, mais également dans la préparation et la mise en place d'infrastructures portuaires adaptées. Alors pourquoi? Parce qu'ici, vous le voyez sur la carte, Port-la-Nouvelle est le port qui est aujourd'hui en cours d'aménagement pour accueillir les fermes à la fois pilotes, mais également les fermes commerciales. Et donc, des infrastructures portuaires adaptées à l'éolien flottant et qui répondent aux besoins de la filière sont en train d'être mises en place. Alors, je rappelle que la région Occitanie est autorité portuaire donc de ses ports, donc du port de Port-la-Nouvelle, ce qui confère à la région Occitanie une grande flexibilité sur l'aménagement de son port et des décisions stratégiques qui sont prises. Mais je vais y revenir dessus. Voilà, alors le positionnement de Port-la-Nouvelle, comme je vous l'indiquais, Port-la-Nouvelle qui est le port de l'éolien flottant, mais également le port de la transition énergétique en région Occitanie. Donc il y a une ambition très forte autour de Port-la-Nouvelle pour en faire vraiment le port de l'éolien flottant. Et ce qui est important ici, c'est la position également stratégique de Port-la-Nouvelle qui, comme vous le voyez, est seulement à 20 km des fermes pilotes. Et on le sait aujourd'hui également, est à peu près à une trentaine de kilomètres de la zone qui sera utilisée pour les fermes commerciales. Donc ici, il y a vraiment un positionnement stratégique de Port-la-Nouvelle. Alors pourquoi l'éolien flottant en région Occitanie?
Le point de départ, vraiment, c'est le gisement de vent. Donc, comme vous le voyez ici sur cette carte, et sans rentrer dans les détails, sur la région Occitanie et sur le golfe du Lion, de manière un peu plus large, on a un gisement de vent qui est de très très bonne qualité et qui peut être comparé à celui du nord de la mer du Nord. Donc, ça, c'est vraiment le point de départ. Et pourquoi l'éolien flottant en région Occitanie ou du moins en Méditerranée? Tout simplement, un peu à l'image du Japon, on a un plateau continental qui plonge très rapidement au-delà de moins 50 mètres. Et donc, c'est pour ça que la technologie de l'éolien flottant aujourd'hui est la technologie qui est la plus adaptée pour le territoire. La feuille de route en région Occitanie, donc, il y a une ambition très forte au niveau du développement de l'éolien flottant. Donc, à horizon 2030, aujourd'hui, on vise 800 mégawatts. Installés en matière d'éolien flottant. Et à horizon de 2050, on a un objectif donc, de 3 gigawatts, donc, ce qui représentera à peu près un quart de la production renouvelable sur le territoire. Et tout ça s'inscrit dans une stratégie globale en région Occitanie qui s'appelle la stratégie la région énergie positive, donc le scénario REPOS. Donc, à savoir où la région Occitanie sera en capacité de produire plus qu'elle ne consomme avec une production issue d'une renouvelable. Et je profite de cette diapositive également pour mettre en avant tout le travail qui est fait sur la mise en place de l'éolien flottant, et notamment avec la mise en place et le développement de la production hydrogène à partir du renouvelable. Et donc, aujourd'hui, il y a un travail très important qui est fait justement dans cette mise en relation entre la production d'hydrogène et la mise en place de l'éolien en mer flottant. La feuille de route, alors justement, ça a été évoqué en introduction sur l'importance de répondre à un ensemble de défis qui arrivent avec la montée en puissance de cette filière. Et la région Occitanie, depuis 2017, s'est dotée d'une feuille de route en vue de coordonner tous les acteurs du territoire, mais également de se coordonner avec les services de l'État sur la mise en place d'une filière vraiment dédiée sur le territoire. Alors, très rapidement, il y a 6 axes stratégiques dans cette feuille de route. Le développement des parcs commerciaux. Donc, ici, c'est un travail qui se fait en proximité avec les services de l'État, entre la région et les services de l'État. Aujourd'hui, on travaille vraiment en proximité sur l'appel d'offres commercial de l'éolien flottant. On a travaillé ensemble sur les débats publics et aujourd'hui, on travaille ensemble sur la mise en place et le déroulement de cet appel d'offres. Le deuxième objectif stratégique, c'est ce que j'ai évoqué rapidement, c'est la mise en place d'infrastructures portuaires adaptées à l'éolien flottant et qui répondent vraiment aux besoins de la filière, avec ici donc le développement d'infrastructures à Port-la-Nouvelle. Qui, comme je l'ai évoqué, voilà, est vraiment le cœur de la stratégie régionale. Le troisième point, pardon, c'est celui du développement d'une filière dédiée, donc vraiment à partir de compétences et de ressources locales, mais avec une ouverture très forte aussi sur l'étranger à travers la mise en place de collaborations. La recherche et le développement, donc ça, c'est la mobilisation de tous les laboratoires, mais également avec une connexion forte avec l'étranger. Le développement de nouvelles compétences à travers la mise en place de formations dédiées. Et enfin, tout ce qui est visibilité et développement de partenariats avec l'étranger. Voilà les 6 axes vraiment forts du développement de la filière en région Occitanie. Le calendrier, très rapidement, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans une période charnière avec la mise en place et la construction donc, des fermes pilotes qui vont être mises à l'eau en 2023 et 2024. Mais également l'appel d'offres pour la ferme commerciale pour laquelle un parc de 250 MW a déjà été confirmé en région Occitanie. Le port de Port-la-Nouvelle, pour vous donner quelques éléments, donc ce que je vous montre avec le curseur, c'est ce qui est en train d'être construit actuellement, qui vient d'être fini, donc avec la mise en place de plus de 3 km de digues et la mise en place de ce qu'on appelle un quai lourd qui sera dédié à la construction, à l'assemblage, au déploiement, aux opérations et maintenance pour l'éolien flottant. Donc, comme je vous l'ai dit, la région Occitanie est autorité portuaire de Port-la-Nouvelle et a investi près de 250 millions d'euros.
Ceci étant, avec l'arrivée des fermes commerciales, une nouvelle organisation a été mise en place pour la gestion du port avec un partenariat public-privé, justement pour être en capacité de répondre vraiment de manière efficace et adaptée aux besoins de la filière. Et on sait qu'à horizon 2030, c'est à peu près 800 millions d'euros qui seront investis dans les infrastructures adaptées à l'éolien flottant, mais pas que, également à tout ce qui est production d'hydrogène. Voilà quelques photos du chantier de Port-la-Nouvelle. Alors, la photo ici est un peu ancienne. Aujourd'hui, on a fini de connecter la digue il y a une semaine de cela. Mais ici, vous pouvez voir le quai lourd, qui est vraiment la première phase. Donc, le quai lourd va être utilisé pour les fermes pilotes. Et une deuxième phase de travaux ici va être mise en place pour créer vraiment un môle dédié de près de quasiment 30 hectares pour la fabrication des éoliennes flottantes, fabrication des flotteurs, intégration de la turbine, déploiement, opération et maintenance. Voilà, ce qui est très, très important dans le développement de ces infrastructures, c'est vraiment le travail qui a été fait par le port, qui a mis en place de nombreux ateliers avec les développeurs, avec les flottoristes, avec les acteurs de la filière, vraiment pour comprendre les besoins de la filière, pour se projeter, comprendre les tendances et mettre en place vraiment des infrastructures qui sont adaptées aux besoins et qui répondent aux besoins de la filière. Donc, au niveau de la filière, donc la spécificité de la région Occitanie, à la différence d'autres régions en France ou à la différence du Japon, nous ne sommes pas un territoire d'industrie maritime. Donc, vraiment, l'idée pour nous et l'objectif pour nous pour construire une filière dédiée à l'éolien flottant, c'est d'aller s'appuyer sur des savoir-faire d'autres secteurs, notamment le secteur de l'aéronautique, puisqu'en région Occitanie, on a le siège d'Airbus, mais également des entreprises du pétrolier, des entreprises de l'automobile. Et l'idée, c'est d'aller chercher ces compétences dans ces secteurs-là, de les mobiliser sur l'éolien flottant et de monter, de développer donc de nouvelles compétences pour vraiment développer une filière dédiée. Donc aujourd'hui, c'est quand même plus de 170 entreprises de la région Occitanie qui sont mobilisées et qui s'appuient notamment sur une base très forte d'entreprises qui viennent du renouvelable classique, notamment du terrestre. Et aujourd'hui, on opère vraiment un transfert de compétences de l'éolien terrestre vers l'éolien en mer. Donc ça, c'est un point très très fort. La répartition pour nous, ce qui est très important, c'est vraiment d'impliquer l'ensemble des entreprises du territoire. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur la région Occitanie, on est allé chercher des entreprises à l'intérieur du territoire et pas uniquement des entreprises du littoral. Et donc, ici, c'est ce que je vous disais, ça représente plus de 170 entreprises. À savoir, sur ces 170 entreprises, on a 40 entreprises aujourd'hui qui ont déjà de l'expérience dans l'éolien en mer. Et donc, ces 130 entreprises, après, qui sont aujourd'hui en train de se mobiliser, de se diversifier vers l'éolien en mer. Et j'en profite pour dire que pour nous, il est extrêmement important donc de soutenir un contenu local, de soutenir cette expertise locale, mais également de manière égale de soutenir les partenariats internationaux. On sait que pour avancer dans l'éolien flottant, il était essentiel d'avoir des partenariats internationaux. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est pour ça, en tant que territoire, vraiment, on soutient le développement de partenariats entre des entreprises locales et des entreprises internationales. Et donc, pourquoi pas le Japon. La mobilisation des laboratoires, aujourd'hui, c'est également plus de 25 laboratoires et 25 académiques qui sont mobilisés sur l'éolien flottant en région Occitanie. Et pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, des travaux aujourd'hui sont engagés et portés par l'INSA Toulouse, par exemple, sur la corrosion, sur la fatigue également des matériaux, mais la protection anti-corrosion avec l'utilisation de biofilm. On a également des travaux qui ont été engagés par l'Université de Toulouse et l'entreprise de l'aéronautique sur l'optimisation aérodynamique des pales, puisque c'est un sujet qui a été évoqué précédemment, et sur la recyclabilité et l'éco-conception. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait vous dire sur la région Occitanie. Je vous remercie.